Rogue Legacy est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer. On peut sauter, attaquer, il y a une touche magie et c'est tout. C'est surtout cette simplicité, cette nervosité qui me pousse à préférer ce genre de jeu plutôt qu'à ceci. Rogue Legacy, c'est un jeu de plateforme qui met en scène une entière descendance tentant de conquérir le donjon. Ouais, descendance parce qu'à chaque fois qu'on crève... C'est pas vrai. Non, mais c'est sérieux. Hey, ça faisait partie de mon plan. Et j'ai une deuxième vie. Et je suis mort. Le héros meurt vraiment et on devra choisir parmi trois de ses héritiers pour continuer la quête. Chaque héritier a ses avantages et faiblesses qui sont... aléatoires. Lady Littner, gigantisme. Tu es né pour être joueur de basket. Ça a l'air marrant ça. Mais je suis trop fat en fait. J'esquive que dalle. Laissez-moi passer. Sir Hornsby, Vertigo. Welcome to Barsfield. Le personnage est à l'envers, c'est marrant ça. C'est injouable. Bon, tant que je peux suivre l'histoire, ça va. Bah tiens donc... C'est bon, j'en peux plus, faut que je... Même le menu est à l'envers. Ok, on descend... C'est bon là, mange tes mains. Comme la map est générée procéduralement à chaque nouvelle tentative, ben... On redécouvre toujours le donjon. C'est quoi ce truc? Ok... Je suis où? Oui. Quoi? Normalement en dessous il n'y a rien. Putain, c'est encore un piège! Et donc à chaque fois que vous allez mourir, parce que ouais, vous allez crever, on se retrouve avec la thune de notre ancien perso qui va nous aider à augmenter notre stuff et stats de manière définitive. Et ça c'est cool. Mais si on l'utilise pas, il y a Charon qui vient voler ce qu'on n'a pas dépensé. Et ça c'est moins cool. Quand tu te dis que tout va bien, BAM! T'as cette elfe qui vient voler ta thune. Rien, mais bien sûr. T'as un cirque qui te propose des mini-jeux, mais laisse tomber. Touche. Touche. Et touche ! Des challenges pour obtenir des récompenses, mais à la conséquence bien réelle. Super. Faut pas prendre de dégâts. Non. Allez, je donne tout ce que j'ai. On se retrouve avec une merveille de fun tant on arrive à devenir meilleur et plus fort. J'ai oublié les cadres. Ah merde. Ok, s'il y a un passage difficile, c'est qu'il y a un sale trésor au fond. Aïe. Oui. C'est une jukebox. Pour changer la musique du jeu. C'est une jukebox. Les graphismes sont efficaces, la musique est géniale. C'est une jukebox. Il y a des surprises un peu partout. What the fuck? Trop chelou comme tableau. C'est pas l'ennemi quand même. Oh, encore un. Ah, putain. Et surtout des morts bien mémorables. Ok, je suis full life, je suis ok. Il a un pattern où il balance des sonic boom. Le deuxième où il dash trois fois. Tant que je suis concentré. Mais what? Il vient de me feinter ou quoi? La putain d'OS, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai augmenté ma vie max, on va se la jouer au sécure. Quoi? Bon, cette boule, je fais attention de ne pas me la prendre. Ouh, le cadre! Retraite! Non! J'en peux plus! Mais si malgré ça, tu décourages pas, voilà ce qui va t'arriver. Ouh, encore un coup et je suis dead. Lâche l'affaire. Oui! Non, non. Yes. Non, pas la boule. Ok, bien. Putain, mes bras sont trop courts. Oui. Et c'est le dernier. Oui, papa. J'ai passé un bon moment sur Rogue Legacy. Je recommande chaudement pour ceux qui souhaitent un peu de challenge. Rogue Legacy, 4/5.